Bonsoir, Zeneri qui indique qu'il arrive là pour nous une nouvelle sport pour sa zédi le 8 août 2024. Nous démarrons avec une nouvelle nationale par l'habitude. De démarre pour inculquer sa bonne bon valet dans autres étudiants. L'école Grand Asma est primée en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie qui organise un road race hier. Sa activité aussi coïncide avec lancement System House à l'école. Plus de détails avec Hashim Changpengtiv. C'est la course pour commencer Tibabaro par un bacalami. Côté Banzafa P6 pour commencer la course et autres pour finir avec Banzafa la crise. C'est la course pour masser le système huilé, côté fier gars pour mélanger. Il a fallu dire que maman est bien déterminée pour la guerre pour être première place. La Banzafa. Pour la tasse, pas avec l'école grande tasse premier pour autre house. La fatigue pour sa bonne affaire pas un gros problème parce qu'il existe 23 minutes, c'est secondes, il est temps qu'ils autres pour prendre pour arriver dans autre destination. Aujourd'hui, nos activités c'est pour nous lancer nos house système en même temps faire nos activités pour deuxième thème pour nous qu'à terminer nous la faire deuxième thème. Bon, avant, moi pour dire merci SBC aux autres même. Et moi pour dire merci code garde en Swallow et moi pour dire merci aussi code garde central qui est capable faire nous capable aujourd'hui d'en assister avec garde pour nous capable faire nous road race. Moi sorti de fois garde et depuis bon matin bonnes enfants une donne quantité nous house ordinairement pas habitué c'est ton premier là jusqu'à présent pour la journée ça faut mettre quantité d'effort et sa activité aussi développe les enfants l'aspect physique mental, comme si de tout fond l'aspect. Et moi, je crois que c'est un café bon, un bon rapport. Nous sommes dans House Silhouette et nous, l'objectif, c'est bien si à la fin de terme, pour nous sortir vainqueurs parmi tous les autres houses. Mais c'est nous aussi, depuis le trimestre, nous donnons House Silhouette, nous servons nos houses pour nous motiver nos enfants avec d'autres comportements. Parce que nous connaissons comme nous avons des problèmes de discipline. Alors, nous pouvons sort of motiver nos enfants pour un bon comportement, pour nous participer à des activités sportives. Nous house aujourd'hui nous peut concentrer pour le bon moment avec un behavior pour nous motiver bons enfants et par exemple pour sa road race moi qui a grand motivation pour les enfants bien collaborer entre les autres nous finir de deuxième position so jusqu'à la finition la journée moi quoi nous pour gagner bonne position pour seul objectif pour nous participer ensemble pour nous gagner sa l'unité pour nous activer entre nous pour nous participer bien pour nous capable de collaboration aussi. À part ça, la course qui est aussi un bon joueur intéressant, qui longtemps nous pas voir, tel que la course sans linge. Et ça est bon, pour maman y apprendre à biseau de l'école aux autres même. T'as y que battre la tête, qui pour beaucoup aux autres coordination et balance. Et aussi pour la corde qui a mérite pour une compétition locale, pour qu'ils en fassent de la gamme la zone. Alors, l'OIF, moi je suis représentant de l'OIF, je suis enseignant volontaire. Nous, notre implication, c'est surtout rehausser le niveau en français. Donc, pour cela, il faut s'impliquer dans toutes les activités de l'école pour avoir une complicité avec les enfants. C'est en ce moment qu'on peut les aider à améliorer le niveau en français, surtout à travers le langage oral, qui s'exprime bien en français, qui n'ait pas peur de parler le français. Et c'est quelque chose qui marche très bien parce qu'à travers cette compétition, le sport, les enfants, en communiquant avec moi, ils vont forcément parler en français. Et c'est quelque chose qui contribue beaucoup à notre travail. Il rêve beaucoup pour un jour faux épaules avec Banzé dans basketball NBA qui gagne considéré comme
Ligue plus élite dans sa sport, c'est celle avec nos positions géographiques et que facilité est vraiment difficile mais pas impossible pour nos bonnes jouer gagner des boussements à l'étranger. Pour Zen Aurélie Antoine, il a bon semen pour peut-être accomplir ça. Âgé seulement 7 ans, Aurélie commence à attirer l'attention avec son habileté exceptionnelle dans basketball. Vitana Gabriel, Yana Sain reportage. Basketball est un sport qui est joué par beaucoup de monde à travers le monde. À cause qu'il est joué universellement, ce sport est un playground pour bonne joueur créative, pour voir une nouvelle façon pour dribble, score et défendre. Le temps créativité est arrivé au court, il est capable en un certain moment inspirationnel qui naît. Dans le contexte CCL, ça est totalement vrai. À seulement 7 ans, Aurélie Antoine est parfaitement tombé dans sa catégorie. Son habilité de basketball pour un enfant son Laz, il même saut que son entourage brosse, surtout son papa. Mais qui manière Christian a découvert que son petit-fille est talenté de basketball? Moi, j'ai découvert à travers Steven côté école français. Après l'école, tu vois, moi, il dit, moi, il voit Aurélie, il est capable, il voit Aurélie comme si il a développé pour basketball. Donc, je dis, moi, si je ne suis pas intéressé, il a fait mon gagner coach personnel pour Aurélie. Sur le même qui va me demander commencer pour gagner contact avec coach Lennon et moi je prends contact de suite avec lui. Nous tout le temps affilié nous avec football comme si nous donnons mes sponsor team football Saint Louis. Donc so, n'a pas non avec basketball mais là moi avec basketball pour ça. Après ça, il y a tout un aventure pour Zen Aurélie. Quand après finalise Bandemas, mois passé, il a accepté pour participer dans un NBA Summer Camp Dubaï. Et encore là-bas, son habilité ainsi prendre bon entraîneur, prenant en compte qu'il type bataille avec bons enfants 14 à 16 ans, beaucoup plus grand qu'il y. Résultat, des certificats, un pour meilleur joueur pour la journée et l'autre pour joueur qui ne fait plus progrès. Sous mon expectation, pas respecté pour faire comment, à continuer à l'aise pour lui, à amener son école, fond avec basketball. Et même bonne coach là-bas, tu crois, moi qui tu es, je ne sais pas, il y a des gens qui font basketball. Mais il fait bien. Jour, il dit qu'il y a un meilleur souhait pour la journée là-bas. Je suis pleuré, je suis comme madame, comme si tu étais à l'émotion, pas respecté quelque chose pour moi. Pour sa 4 derniers mois, c'est l'entraîneur de l'équipe basketball Saint-Louis-Saint-Sekbaya, Lennon Sherman, qui peut travailler avec Aurélie. You know the conditioning coach, Stephen Fermino, something like that. He called me once, and he told me, I'm coaching conditioning at the French school, and I was like, okay. And then he said, coach, you have to see this. I'm sending you a video of a small girl. Check it out. So he sent me the video. I was looking at it, and then I was like, whoa. Who's that girl? And then he told me, yeah, it's a small girl which is here at the French school. She's dribbling and all that. And I said, okay. And then I said, well, what you want me to do with it? And then he said, what do you think? And I said, well, she's good in dribbling, but I have to see her and everything. He gave her the dad's number, and then we called, we talked together, and then we had a small session. And after that small session, everything just went quick. I agreed. I saw a raw diamond in her. I said, okay, let's try. Let's see if she's really want to do it. And then we just started and then it just went like that. Même avec son talent, Aurélie est très timide. Même si nous ne sait tout sorte façon, il pas possible pour nous gagner des petits mots avec lui. Pour son training partner, Yelvani Marie, il est clair qu'Aurélie y a un avenir brillant devant lui. En effet, pour un Laz, il montre ta talent. Pour un Laz, quelquefois dans les filles, quelquefois plus une fille, c'est celle qui a joué des hauts notes. À cause après toi, les talents de Petrina, il montre comme si consistant l'énergie, comme si il y a envie. Pendant les arrivés là-bas, mon souké qui a gagné best of overall, comme si pour un Laz, et puis monte à des avec. Comme si j'étais plus grand joueur, mon dansoc, mon dieu. Là, oui, nous avons l'autre ticket fire, l'autre jeune femme, c'est celle qui a le basketball dans les fichiers. À cause de ça, pour lui, on va péter un an, il y a le côté basketball femme. So, quelquefois, il y avait un sens de quelque chose. Je m'en connais. Avec bon premier pas qui est fini, quand il prend,
qui prochaine étape à présent? We're trying to find for her or academy in Europe or to the States, because now she, thanks to Dubai, she got some certification over there, and they wanted to take her to the States, but the problem is because she's not in that MBA school academy, she cannot go. But we're going to try now. I'm going to try and talk with some coach friends in the States. We're going to search where they have those MBA academy and see if she can go for at least 1 month or 2 months just for exposure, and then see from there on. Nous voulons que l'opportunité qui vient, une bonne opportunité, l'opportunité pour les gagner. Nous pouvons, moi pour prendre pour les bouger devant. Quand les aller, moi pour pousser pour aller. Papa, moi pour force, c'est mal l'équipe bien en vie. With a talent like this, where do you see Aurélie in a few years' time? Well, with a talent like this, when she's 12 or something, if she continues, I think she's going to be best player here in Seychelles as ladies player, because she's consistent. She doesn't let nothing else distract her, and if we continue like that and we don't push her too much, because we know, me as a coach, I know if you push somebody too much, they will get disgust of the sport. So we don't have to push her too much. Just let her still be a kid and let her think what she wants to do. But I think in the future, if she continues, she's going to be the best player here in Seychelles as a lady, as a female. Mon connaît qui aussi dans la coupe et dit que oui, sa petite fille est vraiment talentée. Nous souhaitons qu'il réussisse dans tout son bon démarrage, ce qui dans les trois années. Nous avons un autre reportage, cette fois-ci avec titre Aurélie Antoine, premier joueur basketball seychellois pour jouer dans NBA. Alors, encore une fois, félicitations Aurélie et nous souhaitons tous les meilleurs dans ou traser avec sa sport. Et avec ça, nous remercions pour suivre nos nouveaux sports pour aujourd'hui. Merci pour suivre et bonne continuation avec SBC.